Le moment est venu. Ce jeudi 2 juin 2022, les festivités du jubilé de platine d'Elisabeth II, qui célèbre cette année le 70e anniversaire de son règne, ont débuté devant le palais de Buckingham. Dès 10h30, au début du traditionnel défilé Trooping the Colour, plusieurs membres de la famille royale britannique sont apparus dans le cortège. Kate Middleton et Camilla Parker Bowles, les épouses des princes William et Charles, ont d'abord défilé à bord d'une calèche tirée par deux chevaux. Les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, se trouvaient également à bord de l'embarcation et ont fait signe à la foule avec enthousiasme. Comme à son habitude, la duchesse de Cambridge est apparue très élégante, vêtue d'une robe blanche immaculée de la marque Alexander McQueen et d'un chapeau noir et blanc signé Philippe Tréassy, le tout sublimé par des bijoux assortis à la symbolique très particulière. En effet, Kate Middleton a choisi de rendre hommage à sa défunte belle-mère, Lady Diana, en portant des boucles d'oreilles fabriquées à partir de diamants et saphirs ayant appartenu à la princesse de Galles avant d'être remis à son fils, le prince William, après sa mort. Comment Kate Middleton fait perdurer la mémoire de la princesse Diana? Ce n'est pas la première fois que la duchesse de Cambridge témoigne ainsi son respect à la défunte princesse de Galles. En 2019, à l'occasion de la cérémonie des BAFTA à Londres, l'épouse du prince William était apparue avec des boucles d'oreilles de perles et de diamants ayant également appartenu à Lady Diana. Une manière de faire perdurer la mémoire de la princesse de Galles, qui reste un visage emblématique de la monarchie britannique. Sur le même sujet de Kate Middleton originaire du Berkshire, Catherine Middleton est la fille aînée du millionnaire Michel Middleton, un ancien officier de compagnie aérienne, et de voir la biographie de Kate Middleton. Réagissez inscription newsletter. Merci pour votre inscription. Pour en savoir plus ou exercer vos droits, cliquez ici. Fermez.